Maurice possède de nombreux sites naturels à visiter. Le Trou aux Cerfs, situé à 600 mètres d'altitude dans la ville de Curepip, sur le plateau central, est un arrêt incontournable. Ce cratère volcanique témoigne du passé géologique de notre pays. Le Trou aux Cerfs a la forme ovale avec un diamètre entre 300 et 500 mètres et une profondeur qui atteint les 100 mètres. Le cratère lui-même possède une vue panoramique. En y descendant, il y a différents points de vue impressionnants. Est un site inconditionnel pour les écoliers. J'ai choisi pour emmener les enfants au Trou aux Cerfs parce qu'on travaille sur l'île Maurice. Alors le thème, c'est l'île Maurice. On travaille sur le volcan, sur toutes les fêtes qu'il y a à Maurice. Et voilà, aujourd'hui, on est venu pour raconter l'histoire et pour montrer le Trou aux Cerfs. Expliquer aux enfants que le volcan se trouve à Trou aux Cerfs et que l'île Maurice a été formée déjà par un volcan. Il faut que les enfants soient initiés au concret d'abord pour pouvoir travailler sur le thème. Et là, on est là aujourd'hui dans le concret pour les expliquer, pour voir comment c'est un volcan. Parce que c'est la première fois, je pense, qu'ils vont voir un volcan. En effectuant le tour du cratère, vous y croiserez de nombreux joggers qui n'hésiteront pas à rejoindre ce parcours dès 5 heures du matin. Et c'est aussi un endroit qui accueille ceux qui veulent garder la forme. Je viens au Trou aux Cerfs pour courir, pour me détendre,
prendre un peu l'air parce qu'on a un coin de Val-Dieu quand même ici. Et donc je viens 2-3 fois la semaine. Et... Je fais mon maximum pour mon vin là, 3-4 fois dans une semaine. Parce que Trousseff, c'est une place que vraiment la nature nous donne un cadeau. Que nous profitons de ce cadeau-là pour nous rebooster, nous ressourcer. Bon, quand nous venons là, nous laissons un petit peu problème de travail, la case. Là, nous venons là, nous relaxons. Nous passons beaucoup de temps pour nous l'éco, qui vraiment a une activité physique. Franchement, je te dis, c'est bon pour nous la santé. Moi, je conseille beaucoup de monde de profiter, faire une activité physique tous les jours si capable. Mais si 3-4 fois dans une semaine, un petit minimum de temps pour eux, les petits bénéfiques pour eux de la santé. Vous pourrez admirer la ville ou les régions avoisinantes ainsi que d'autres montagnes comme celle du Rempart, de Saint-Pierre ou encore des Trois Mamelles. Trousseff est renommé pour ce vue qui nous gagne ici. Quand des gens capables de venir en famille, ils ont passé un bon moment, ils ont gagné l'air pur, frais, et ils profitent de la nature et de la vue qu'ils ont gagné. Surtout si ils sont venus là dans le soir, quand nous tous sommes animés, là, puis animés, c'est une vue vraiment extraordinaire, une vue vraiment spectaculaire qui nous gagne dans Trousseff quand nous venons. Notre balade, on vous emmène visiter une gym en plein air. Entre autres, barres de traction, rameurs sont là pour ceux qui veulent faire une session de gym. En famille, entre amis ou en solitaire, Trousseff, c'est vraiment un endroit qui vaut le détour. Trousseff là, il est bon pour moi, un petit lamos, guette-guette, détendre, relax. Trois enfants, moi, non. Les derniers, avec moi, deux filles, là, si bien content, Trousseff. Là, ils ont galoupé, ils ont gagné place, moi, galoupé. Surtout depuis Trousseff, une ferme, le temps, ils viennent un peu plus safe pour les enfants. Il y a 4 toutous, lit avec 3 grands. Je bang bang grand là, maman nous plutôt à soir parce que du bunga est payé. Lit il y a encore chibaba, maman il est dans la zone. Thank you.
Doppler Radar Weather Observation Station se situe à Trouvaux-Serre. Le radar est considéré comme le plus sophistiqué de la zone sud-ouest de l'océan Indien. En opération depuis avril 2019, le radar permet d'anticiper la trajectoire des cyclones et de mesurer avec exactitude la force des rafales au centre du système dépressionnaire. Grâce à ce nouvel outil de haute technologie, les météorologues calculent le cumul des pluies et collectent donc les données en temps réel sur les conditions atmosphériques présentes dans notre région.